protecting humanity. I believe great threats require great sacrifice. I believe in taking down a traitor. C'est un mode assez atypique, je crois que ça a été introduit de mémoire à l'époque avec Halo 3, ouais. Ou Halo 2, je me rappelle plus, tiens. Où grosso modo, il n'y a pas de bouclier et le but c'est de faire du headshot en permanence, donc c'est des parties très dynamiques. Mais ça prend tout son sens en fait maintenant dans ce Halo 5 avec le nouveau gameplay qui forcément est extrêmement dynamique. Là, je vais checker s'il y a personne, voilà. En sachant que là c'est à bon niveau, c'est du 1 tir, 1 mort. Là on est sur une variante un peu particulière parce que on a juste des... Accessoirement, il n'y a pas de réapparition dans ce mag là. Si. Ah si, autant oui, là aussi, heureusement parce que... Cours, il a pas headshot, cours. Oh là là, il est mauvais, il est mauvais. Fais gaffe parce que là t'as pas de vie. Voilà, tu vois là j'ai ta vie remonte quand même. Oui, quand même, ouais, ça reste une système. Mais ce qu'il y a, c'est que dans la mesure où tu prends une balle dans la tête, tu meurs, que la vie remonte, éventuellement, si le mec te tire dans les pieds ou dans les fesses, ça peut servir. Comme celui qui te courait derrière. Oui, voilà, typiquement. Boum. Ah, je l'ai loupé. Oh, je suis mauvais. Allez, boum. Ah. Oh. Ah, allez, je suis nul ici. Mais tout va bien se passer. T'as qu'à dire que c'est de la latence, les gens peuvent pas vérifier. Ah non, là, c'est pas de la latence, c'est juste moi qui suis mauvais. Oui, je sais, mais les gens savent pas. Attends, mais déjà j'ai un... Diversion, c'est quoi ça? En fait, s'il y a un mec qui était attiré par ma petite course et commence à me tirer dessus, et donc du coup il y a un collègue qui a profité de la diversion pour le but. Ouh! Headshot. Ça va très vite, ça va très vite. Alors je vais essayer. Mais la réparation est tout de suite aussi. Oui. Il n'y a pas de temps de. Sur ce type de partie là, il n'y a pas de. Effectivement, ouais, c'est très dynamique pour vous. Donc du coup, c'est très dynamique. Alors le tout, ça va être d'arriver à utiliser. Oh oui, vas-y. Ah, dommage. Ah, j'aurais pu faire un. Boum! Ah oh! Double kill. Ouais, alors le problème c'est le coup de poing au corps à corps tue tout le temps. Oui, c'est du one shot, hein. Vu qu'on n'a pas de bouclier, c'est un coup au corps à corps. Et c'est terminé. Égal à mort, vas-y, ne te laisse pas faire. Oh, mais j'ai un problème de sensibilité, hein. Pourtant je suis sur 7. Mais non, trouve pas d'excuse. Tiens, droit, gauche. Oh là, oui. Vas-y, le deuxième aussi là, tu vas l'avoir. Il y est mort ou quoi? Ah non, derrière. Pourquoi j'arrive pas à glisser? Ah, c'est bon. Bien sûr, regarde. Toi, tu glisses. Ouais, c'est un move qui est très utile sur ce mode SWAT, où c'est-à-dire, t'arrives, tu glisses, hop, tu vises tout de suite et tu repars. Voilà, juste pour le style. La vache, figure-toi qu'ils sont tous derrière moi. Ouais. En fait, sur ce mode de jeu, on n'a pas de radar. Donc du coup, quand on a des mecs derrière nous, on les voit pas arriver. Ah, il était dans le coin, ouais. Ouais, mais il s'est fait refroidir par mes copains. Alors, on va essayer de trouver. Et du coup, la victoire se joue comment dans ce mode-là? C'est du 100 points de mémoire. Ou non, c'est du 50, c'est du 50, donc 50 kills en fait. D'accord. Alors ce qui m'embête là, c'est que je vais... Mon rang va s'en retrouver impacté, parce que là actuellement je suis Onyx quelque chose. Et si je fais une mauvaise partie, qu'on perd, bah, mon rang va diminuer. Et c'est quoi l'impact? C'est rien en fait, c'est juste pour le prestige. En fait, plus tu joues bien, plus tu montes de rang. Tu gagnes pas d'atouts supplémentaires avec un rang plus fort. Oh. Ouais, mais là ils sont trop, casse-toi. Mais qu'est-ce qui se passe? Quoi? Ah non, j'ai un problème de manette, j'ai le dash qui a pas voulu s'enclencher. Ou alors je l'avais déjà consommé, j'avais pas fait gaffe. Peut-être, je sais pas. J'ai pas fait gaffe non plus, je t'avoue. Mais... On voit pas où il remonte ton dash. Au-dessus de tête. En fait, il y a un petit panneau de danger qui apparaît en haut à droite. Ouais. Qui t'indique. Ah ouais, j'ai un problème de manette. Ah, là, j'ai déjà entendu des excuses, mais celle-là. Ouais. Mais ce qu'il y a, c'est que cette manette, elle a. Reste en groupe, reste en groupe. Je viens de la déballer. Elle devrait marcher normalement. Est-ce que j'ai une pile qui serait mal branchée? Oh, le coup de poing dans la tronche. Ah, voilà. Il m'a fait louper mon assassinat. Ah non, ça m'a compté le kill quand même. Ouais. Bon bref, donc tout ça, voilà, pour vous montrer un peu le mode SWAT, qui est un peu le mode hyper dynamique de ce Halo 5. Bon, pour l'instant, c'est vraiment mon... C'est le mode le moins Halo... Ah la vache, je pensais l'avoir eu. C'est le mode le moins Halo du genre, hein, parce que comme voilà, c'est une balle, un mort, ça n'a rien à voir. C'est tout le contraire d'Halo, c'est tout le contraire de Halo, voilà. Mais dans la mesure où il y a ces nouveaux mouvements, où tu peux escalader partout, tu peux dasher, tu peux glisser... Tu peux sprinter. T'as le droit qu'au gun dans ce mode, visiblement. Alors en fait, là on est sur une variante qui est le. Normalement, on est sur le SWAT. Là on est en mode SWAT Nom. C'est-à-dire que tu joues que au Magnum. Mais normalement, le mode SWAT, c'est au BR, donc le fusil que j'avais tout à l'heure. D'accord, ok. Qui permet de. Qui rend les parties encore plus rapides, je suppose. Parce que bon. Là, disons que tu peux shooter d'un peu plus loin. Ah, je pensais l'avoir eu, le salaud. Ah, j'attends que tu m'avies vraiment, parce que là, si je me prends une balle dans la fesse, je suis mort. T'es à gauche, là, vas-y, shoot. Ah. Oh là là. Alors comme je sais pas si tu l'as remarqué, je l'avais présenté au début. Alors je vais essayer de les contourner en passant par là-bas. Ah, ils sont descendus, ils avaient prévu le move. Et maintenant, lorsque tu sautes dans les airs et que tu utilises le smart scope, là, le système de visée, tu es légèrement stabilisé dans les airs. C'est très pratique.
Ça rajoute encore du dynamisme, bah, c'est ce qu'il vient de faire d'ailleurs le mec. C'est ça, ouais. Et surtout, tu vois, tu sautes, pouf, et ça t'offre une légère stabilité et c'est très pratique. Alors là, il y a au prochain fight, on aura gagné, voilà. Ça aurait été très pratique, j'aurais voulu vous montrer, mais tu vois, pour faire ce genre de choses où voilà, tu sautes, tu veux vérifier qu'il n'y a pas quelqu'un, pouf, tu te stabilises, tu regardes très rapidement. Alors, on va joli. Ah, c'est pas très joli. C'est pas très joli, les parties en multijoueur sont... Alors ça reste à 60 fps, c'est stable, mais c'est pas très joli. Ah voilà, là on est tout de suite parti, je vais essayer d'aller récupérer rapidement le BR. Ah le salaud, il a piqué avant moi. Forcément, techniquement, il y a là-bas un petit bonus, on va tout de suite aller le récupérer. Hop. Ah oh, boum. Bien joué. Ah, je savais qu'il allait arriver celui-ci. Ah, ah. Oh dommage. Ah la vache, il m'a refroidi à une vitesse complètement ouf. Ouais. Oula, et manche, voilà. Oh, mais voilà, ça bah, c'est fait. Manche 1, défaite, bon. Très ah, il y a un côté un peu Tron, un peu. Oui, bah genre, non. Univers un, là. Un mélange très... entre Tron et. Comment il s'appelle Total Recall. Mais enfin, ça c'est vraiment la, le propre des parties. Ah ah, j'ai le BR cette fois-ci. Je sens que tu vas prendre un headshot extrêmement sévère. Je sais pas pourquoi je le sens comme ça. Attends-le. Il est là-bas, là. Il est en forêt. Tu crois que je t'ai pas vu là-bas? Hein? Prends pas de risque, mec. Ah, j'ai plus de grenade. Voilà. Boum. Vas-y, tu vas. Ouais, non. J'ai pris des risques aujourd'hui. J'ai pris des risques. Ah ouais. T'étais enfin, le dernier. C'est pas possible d'être aussi mauvais. Et là, je sais que tous mes copains vont se joueurs de Halo ont ma télé gaming live et je vais me faire mes vanner, mais ça va être assez terrible. Mais ça sera mérité parce que là, pour le coup, je joue vraiment très mal. Alors, je vais laisser le BR. Ah non, mais oh, il l'a laissé. Go, aïe. What the... Oh là là. Mais qu'est-ce qui se passe? J'arrive plus à sprinter, bah... quoi. Non, le mec, il t'a jeté des grenades à la tronche. C'est vrai que les maps sont extrêmement petites, hein. Elles sont... Ça veut dire, en fait, ça dépend. Il y a 4 maps, je crois, pour le mode breakout. Et... Oh, la vieille mort. Oh là là, on est en train de se faire, mais racler, mais... Bon, allez, vas-y. Le problème, c'est qu'en général, dans les équipes, c'est moi qui porte l'équipe, et là, je suis pas là pour jouer. C'est moi qui porte l'équipe. Le mec, oh, se met en valeur. Attends, il faut se vendre un peu, monsieur. C'est ce qu'il faut pas entendre, quoi. Bon, fais gaffe, ils vont balancer des grenades, là. Ouais, c'est un peu la base. Tu vas les voir arriver, là. Alors, toi, il y a le drapeau hein, qui est ici. Bah, vas-y, go. Ouais, bien sûr. On est toujours. Tu vois, il y a l'indicateur hein, qui nous dit en bas combien de membres il reste dans l'équipe. Oula, 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 oula. Fonce, surprends-le. Ah, c'est bon, il y a mon collègue qui allait l'avoir. Ouf. Ouh, go. Voilà, reste caché. T'as un bouclier là dans ce mode. Oui, ça c'est bon, j'ai du bouclier. Ouh. Bien joué. Et voilà. Ouf. Enfin une victoire. Non, c'est pas du beau jeu parce que j'ai campé comme un gougnafier. Ouais, les gens aiment pas trop. Dans ma base, non, c'est pas ça, c'est juste que j'ai pas bougé beaucoup, quoi, j'ai pas servi à grand chose. Ben c'est heureusement que mes collègues avaient aussi, fait le travail. T'en as tué un. Ouais, deux, je sais plus. Deux, oui, bon, je sais plus. Voilà, reste en mouvement. Voilà, il va prendre le. Non. Ah, chef. Ah, il l'a loupé. Yes. Et voilà. Toi, t'en profites. Allez, boum. Chet. Ouais. Non, effectivement, bah, ça reste un mode sympa, je pense, pour les gens qui veulent faire des parties courtes, quoi. Ouais. Des fois, t'as pas envie, t'as pas le temps de faire une Warzone. Donc, ouais. Drapeau hors base, il a pris le drapeau. Faut qu'il l'amène dans ta base à toi, Faut qu'il l'amène dans notre base, ouais. Sauf que là, tu vois, on a déjà. Ah, oh, on a encore un collègue. Deux contre deux, mec. Boum boum, tue-le! Oh là 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 là! Oh là ah là non! Là là. Oh là là! Bon, j'ai quand même eu le porteur! Ouais! Ouais! Ok, d'accord! Bah écoute, est-ce qu'on s'arrête là-dessus? Bon, attends, allez, pour le plaisir, on se fait la dernière pour voir si on sauve l'honneur ou pas, parce que là, ils sont à un match de la victoire! Allez, vas-y, surprends-le, t'as raison, trace! Surprends-le, il va pas devoir venir, vas-y, continue, passe derrière, il t'a vu là! Vas-y, non! Non, à droite. Ah, oh, là, là, là. J'ai pris un coup de fusil à pompe en plus. Il y a un mec qui avait ramassé. Parce qu'en fait, du coup, sur ces maps, il y a des. Faut ramasser les armes quelques power weapons et il y a notamment du fusil à pompe. Oh oui, vas-y, ah, l'assassinat. Non. Ah, c'est bête, c'est.